L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromédé, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline. ESAE Gbedjromédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Faramier. Bonjour à vous. Bonjour, Atifa. Vous allez bien ce matin? Très bien. Alors, ce matin, vous nous emmenez à la découverte de l'expression « être au fou et au moulin ». À toutes et à tous, bonjour. Être au fou et au moulin veut dire faire simultanément plusieurs tâches. Il s'agit d'une expression qui est généralement utilisée de manière négative pour indiquer la difficulté ou l'impossibilité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Être au fou et au moulin chez un internaute fait référence également au fait de ne pas pouvoir être partout à la fois. Cette expression date du XVIIe siècle, à l'époque féodale. Les paysans utilisaient d'abord le moulin, puis le four pour faire le pain. Ils ne pouvaient donc pas être aux deux endroits en même temps. Chaque chose doit être faite en son temps. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Faramier. Il vous arrive d'être au four et au moulin à la fin? Oui, ça va arriver de temps en temps. De temps en temps. Nasrine Fatoumi? Il vous arrive d'être au four au moulin? C'est généralement le quotidien de tout le monde, pour certains. Pour certains. Merci à vous, Francis Faramier. On retrouve Nasrine Fatoumé pour les prévisions astrologiques.